Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà à la fin de ce premier conseil métropolitain de l'année 2022. Les délibérations ont été intenses et très importantes pour la métropole, notamment avec la présentation du budget primitif 2022. Il est force de constater que la bride des dépenses est lâchée. C'est un budget clairement dépensier, très ou trop offensif. Les dépenses au RH ont augmenté de 4,7% et les dépenses en équipement de 8%. Le groupe Métropole Commune s'est donc abstenu sur cette délibération. Nous nous sommes abstenus sur la délibération du contrat d'objectif entre Bordeaux Métropole et la régie d'eau Bordeaux Métropole. Le passage en régie n'est pas la solution que le groupe Métropole Commune aurait privilégiée. La réussite dans la durée nécessite que Bordeaux Métropole conserve les moyens et les compétences suffisants pour évaluer la performance de cette régie. Nous avons une grosse préoccupation dans les délais de la mise en place de cette régie. En effet, elle doit être opérationnelle début 2023 pour la livraison d'eau potable et elle intégrera en 2026 l'assainissement. La métropole sera-t-elle prête? Nous nous sommes donc abstenus sur cette délibération. Enfin, la délibération sur les contrats de nouveaux équilibres de coopération territoriale avec la communauté d'agglomération de Libourne. C'est une délibération sur laquelle nous avons tous voté pour, puisque ça a été initié par M. Alain Juppé et poursuivi par M. Patrick Bobet.